Salut tout le monde, it's Diane, and today we're going behind the scenes at a French bakery. Let's go. Okay, everyone knows that bread is a huge part of French culture. Something that rings true about French people is they love their bread. You'll see people with a baguette under their arm in the morning, in the afternoon. That's a real stereotype. But do you know how much work actually goes into making that beautiful bread and those beautiful pastries you see every day? Not sure if you do, and I don't know either. So let's go inside and get a behind the scenes look. So first, a little background. This is Mr. Travers. He's the owner of Travers Bakery, what you're looking at right here, in Cholet, France. It's in the Pays de la Loire region. Bread in France is big business, and even on a slow day, this bakery still makes over 1,000 baguettes. They have a team of 25 employees that make bread, pastries, and more, and everything is done right here from scratch daily. Impressive, isn't it? Okay, it's just after 4 a.m. and I'm here at the bakery at the back door behind me. I'm gonna get started with the early morning team, see what they're up to. And just a quick note, this is a big bakery. They make all kinds of things, so of course they have a big team. Starting early is the norm, but having such a big team is not typical in France. It exists, of course, but a lot of bakeries are much smaller and maybe they just have a baker and a cashier, another employee. So just wanted to point that out, that not all bakeries are like this, but let's head in. After heading inside, I met the two bakers already hard at work, Quentin and Sylvain. You'll meet them in a second. I saw all kinds of bread and pastries in various stages of completion and gained an appreciation right away for the organization and precision that goes into getting the bakery ready for the morning customers. Du coup, là, je suis en train de mettre au four les baguettes, tout ce qui est pain, baguette, baguette ordinaire. Et là, c'est le premier four du matin, donc voilà, ça commence tranquillement. Et puis après, il y a d'autres fours qui vont s'enchaîner avec d'autres différents pains, des pains spéciaux. Donc voilà. Oui, boulanger, okay. Ça fait 10 ans. 10 ans ? 10 ans, oui. Mais vous êtes jeune ? Je fais jeune, oui, non, j'ai 26. Bon, quand même. Oui. Donc, en France, vous commencez à 16 ans. On commence à 16 ans, mais en apprentissage, donc on va à l'école en même temps. D'accord. Mais 10 ans, après, ça fait 5 ans que je suis ouvrier, enfin à temps plein. Donc, moi, c'est Sylvain. Donc, ici, bah, je suis boulanger. Et tourrier aussi, donc ce qui est faire les croissants, toutes les viennoiseries. Et là, je suis en train de dorer la brioche qui va aller ensuite au four avec de la dorure pour que ça lui donne un aspect brillant et tout. Moi, après le collège, j'ai fait un BEP boulanger et après j'ai fait un bac pro aussi en boulangerie pâtisserie. Et pour bien me former, j'ai fait un an en pâtisserie. D'accord. Comme ça, aussi. Si parfois il faut donner des coups de main en pâtisserie, bah j'ai la formation. Ça peut pas nuire dans nos métiers de savoir un peu tout faire et tout. D'accord. Ça peut être qu'un plus. Oui, bah ça on fait tous les matins. Ça c'est tous les matins, on fait en fonction des quantités. Ça change tous les jours, en fonction des commandes. Et après on prépare tout pour le magasin. Pour ce matin, pour l'ouverture. Et après, ensuite, on va préparer pour les commandes de demain. On va commencer à déjà préparer la journée de demain pour préparer pour demain matin. Something I noticed right away is that they both knew exactly what to make and when, and moved seamlessly around the kitchen. They'd take baguettes, pastries, quiche, mini pizzas, and all kinds of things in and out of the oven like a perfectly timed dance. Everything you see is made 100% from scratch right here on the bakery's premises. No preservatives or additives are used, and let me show you some of the magic I was treated to this morning. And yes, everything smelled just as good as it looks.
même toi, oui. Allez-y. Alors là, c'est farine d'épeautre. Donc... ça, c'est la farine de seigle. Farine de maïs. C'est un mélange de farine, farine normale et farine de seigle. Donc il y a un peu plus de farine blanche que de farine de seigle. Et puis il y a des graines de lin à l'intérieur. Ça, farine de tradition. Et celle-là, c'est la farine de petite épeautre. Les pains, donc ça s'appelle la grigne, et en gros en fonction des sortes de pains on va avoir un type de lamage différent, et c'est ce qui va permettre en fait à la cuisson en fait justement laisser la vapeur d'eau s'échapper en fait, et de soulever et de développer en fait le pain en fait, c'est ce qui va lui donner son aspect. Just a quick note about the following clip. Sometimes bakeries have special names for their tradition baguettes that are unique to that particular bakery. You'll hear Quentin talk about baguettes called Saint-Pierre in Mauges. They're specific to this bakery, to Travers, so don't go to Paris and ask for a Saint-Pierre, okay? Que je viens de mettre au four, c'est la baguette ancienne. Donc c'est... en gros, c'est une farine de tradition. En fait, on a trois différentes baguettes en fait, de tradition. Donc l'ancienne, la Saint-Pierre et la Mauges. Donc les trois, en fait, on part sur c'est la même farine en fait, de base. C'est juste le type de fermentation en fait, qui va changer en fait, sur les trois. Donc l'ancienne, ça va être... c'est un pointage en fait en bac, donc ce que j'ai divisé en fait tout à l'heure. Ça a reposé en fait toute une nuit au frigo en fait. Et c'est ce qui permet en fait à la levure en fait de faire son action et de laisser en fait fermenter lentement toute une nuit à 4 degrés. Donc après l'ancienne, la particularité c'est qu'on rajoute en fait de la semoule de levure en fait. Et c'est ce qui permet en fait de donner un petit côté croustillant en fait à la croûte. Ça c'est pour l'ancienne. Ensuite on a la Mauges, la baguette Mauges, que je vais mettre dans 5 minutes au four. C'est pareil, c'est sur une farine de tradition. Là la seule différence qu'on va avoir c'est qu'on va partir sur une pouliche, ce que Sébastien expliquait tout à l'heure. Une pouliche, c'est un mélange d'eau et de farine en fait, la même quantité d'eau pour la même quantité de farine avec un tout petit peu de levure. Et on va aussi laisser fermenter ça en fait toute une nuit au frigo pour que ça développe tranquillement. En fait. Et ensuite on va ajouter ce mélange-là à nos pétrins. Et c'est par ce biais de fermentation en fait qu'on va obtenir une mie qui est un peu plus aérée, on va rechercher un peu plus de conservation. Et voilà. Et
La particularité de la mauge, c'est qu'on rajoute en plus de la, ça s'appelle de la gaude. En fait, c'est de la farine de maïs torréfiée. Donc c'est assez brun, en fait, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. Et ça donnait vraiment un petit goût particulier et une couleur en fait un peu plus brune en fait à la nuit. Enfin, elle est vraiment beaucoup plus jaune en fait. Là ça se voit un peu moins, enfin on le voit un peu sur les côtés qu'elle est quand même assez jaune. Et c'est quoi ça? Donc baguette curcuma, donc c'est de la Paris farine de tradition, donc avec du curcuma. Et c'est un mélange de noisettes et de noix en fait qu'on incorpore en fait en fin de pétrissage pour donner un petit goût et puis des aromates au pain. While Quentin was tending to his bread, Sylvain was hard at work making his viennoiserie, brioche and more. Donc c'est le même sirop, du beurre, du sucre. Non, là c'est des œufs battus. Oh. De la dorure. Et là c'est de la brioche vendéenne. D'accord. Et quelle est la différence entre la brioche vendéenne et la brioche française normale? La gâche. La gâche, c'est quoi la gâche? La gâche, il y a beaucoup plus de crème fraîche à l'intérieur. D'accord. Et la brioche vendéenne, bah, comme son nom l'indique, bah, c'est vendéen, c'est fait en Vendée. C'est de la pâte feuilletée qu'on a tourée d'une façon avec du sucre. On a fait le dernier tour dans le sucre. Et après on l'a découpé en toutes petites bandes et après en cuisson ça s'étale, avec le feuilletage ça gonfle et ça s'étale. Certain things can be made in advance, or at least partially, to help streamline the morning process. Doughs need to be made the night before so they have time to rise. Pastry dough is also made in advance, so it has time to chill in the refrigerator. Lots of prep work is done several hours before, or even the night before, so the morning routine runs smoothly. Un, deux, trois. Donc le feuilletage, on voit bien que le feuilletage a été bien respecté. On voit bien toutes les couches. Donc les couches beurre-pâte ont été faites comme il faut. Et là, on a un pain chocolat réussi avec une belle couleur. Here's a side of the bakery I've never seen before. All the cases are empty. But as different things become ready in the morning, they're moved little by little into the main store, getting ready for the morning customers. You'll notice that the design of this bakery is pretty cool. Look, you can see the bakers and the pastry chefs working in the back from the main store. See them through the glass? I also spent some time watching the pastry chefs work in another part of the kitchen. Everything they're making looks great, doesn't it? But it's too much to get into in this video, so I'm just giving you a taste of what they were up to. Let me know if you'd like to see more in an upcoming video, and maybe I'll just make it for you. All right, that wraps up my behind the scenes look at a French bakery. Thank you so much for watching. Be sure to subscribe for more videos on everyday French life and beyond, and I'll see you next time. Salut!